Salut à tous, c'est Destructeur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous. On va encore une vidéo unboxing, hein, bien évidemment. Alors, il faudrait remonter. Enfin, il faudrait renommer la chaîne Le Unboxer 48. C'est ce que je me dis. Car bon, ça fait deux fois qu'on se fait des vidéos unboxing. Mais bon, j'aimerais bien faire des vidéos gaming, moi. C'est sûr que vous aimeriez que je fasse du gaming. Mais bon. Je pense qu'on va faire du gaming, vous inquiétez pas les gars. Alors d'abord, avant l'unboxing, bon j'ai rien d'intéressant à vous dire pour l'instant, mais je pense que ce sera une vidéo assez courte. Car bon, il n'y a pas grand chose à dire. Juste, je vais vous présenter un truc. C'est un colis que j'ai reçu hier sur AliExpress, c'est celui-là. En gros, vous voyez l'animé Hunter Hunter? Et ben c'est la même chaîne que le personnage Kurapika dont j'en ai fait une vidéo sur, la figurine pop que j'ai toujours d'ailleurs. Attendez, je crois que je l'ai mal mise. On va essayer de la mettre. Je vais essayer de mettre cette chaîne pour vous montrer. C'est accroché, ah, c'est accroché, c'est normal. Hop. Ouais, le problème c'est avec cette chaîne, c'est qu'elle s'accroche. Enfin, elle s'enroule assez facilement. C'est ça qui est un peu casse-pied. Là, c'est bien mis. Je mets pas trop loin car sinon je vais devoir galérer à enlever. Je vais devoir galérer toute la vidéo pour enlever ça. Ça va être. Ça va pas être ouf. Ensuite, ouais, j'allais mettre sur le même doigt. Quel étourdi. Ensuite, là. Et ensuite, c'est là, ouais. Regardez le résultat. Attendez, je l'ai mis à l'envers. Le doigt, ouais, voilà. Hop, ça vous a réveillé, dis donc. J'espère que ça vous a réveillé. Et ouais, c'est en gros dans l'animé, c'est la Judgment Chain, c'est la chaîne du jugement. Je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo comment elle fonctionne cette chaîne. Mais bon, moi, vu que ce personnage de Hunter Hunter, je vous dis, il apparaît un moment après, il réapparaît plus car après, on suit les aventures un peu de Gon et Killua à l'intérieur d'un jeu vidéo. Ensuite, dans un pays où ils doivent se battre avec. Des fourmis chimères. Et voilà. Ce personnage n'apparaît pas vraiment. Mais j'ai un peu compris ses capacités. C'est plus. Si je me souviens bien, là, celle-là, c'est pour localiser. Celle-là, c'est plus pour tuer. Par exemple, quand elle a tué le personnage du nouveau Gwyn, qui faisait partie de la brigade fantôme. En lui plaçant cette chaîne, cette dague-là dans le cœur. Et. Bon, les trois capacités. Ah non, je crois que c'est. C'est cette lame-là. Enfin, je m'en souviens plus trop, mais. Bref. Je pense. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai. Je corrigerai cette erreur que j'ai dite. Bon, désolé pour les fans puristes de Hunter Hunter d'avoir un peu déformé. Ce qui a été construit depuis pas mal d'années par le créateur. Et voilà. Bon. Passons au vif du sujet. J'ai reçu aujourd'hui ce colis sur AliExpress. Et on va ouvrir pour voir ce que c'est. Moi, en tout cas, je sais ce que c'est, mais je vais vous montrer. On va voir. Tout de suite. 1, 2, 3. Ouais, les colis AliExpress sont assez élastiques, regardez. Attendez. Vous voyez? C'est élastique. Bon. Là. Attendez.
gratte en tête que si j'enlève le petit, comme ça. Oh mince! Ah mince! Mince, mince! Oh bah rip, hein. C'était des petits écouteurs, des petits AirPods. C'était aussi pour tester si AliExpress, on peut tout acheter sur AliExpress, car bon, je me méfie souvent de ces sites-là, par exemple AliExpress. Car bon, le problème c'est que les prix sont bas, mais je sais pas si c'est fiable. C'est comme une fois, j'avais voulu commander la même chaîne que celle-là sur cette chaîne sur le site Frugo, mais on m'a déconseillé car Frugo, on m'a dit que c'était un site excusez-moi, j'ai un peu le hoquet. C'est un site qui a l'air pas ouf car les colis arrivent presque jamais. Ouais, je crois que c'était ça. Ouais, les colis n'arrivent jamais. C'est un peu plus une arnaque, on dirait. Mais ouais, ça m'a vite refroidi. Mais on va tester ça. On va ouvrir le petit sac. Là. On a les petits AirPods. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air... Bon, dans les images, ils nous l'ont vendu un peu comme le futur des AirPods. Faut vraiment acheter ça, OMG. Mais pour l'instant, il y a ce petit truc en plastique qu'on va enlever délicatement, je pense. Regardez bien. J'espère que vous aimez la ASMR. Bon, voilà. Ouais, c'est une boîte transparente. Ouais, on peut un petit peu, je sais pas si vous voyez, voir les AirPods. Regardez bien. Ouais, c'est transparent. Bon, on va laisser ça un peu de côté. C'est un peu le mode d'emploi. C'est en anglais. Je sais pas si c'est en français. Non, c'est en anglais et en chinois après. Enfin... Non, on dit pas chinois, on dit mandarin. Excusez-moi, les gars. Vraiment, je suis vraiment désolé. T'as fait cette erreur. Bon, je dirai après. Car bon, j'aime pas trop lire les manuels en pleine vidéo. Car après, voilà. Ça va prendre du temps et c'est pas ce que je veux. Le petit câble. Ouais, c'est... Ça m'a l'air d'être un câble. Je pensais que c'était un câble USB type C. Par exemple, celui pour. Attendez. J'essaie de le. Pour de voir s'il rentre dans mon téléphone. Eh ben non. Il n'est pas compatible. Non, c'est pas un USB type C. Bon. C'est pas grave. Ouais, ça m'a l'air d'être un câble normal. Quoi, rien de plus... Rien de nouveau sous les étoiles. Mais bon, on va ouvrir la boîte. Attendez, on l'ouvre. De ce côté-là. Voilà. Ce bouton. Oh! Le boîtier est bien chargé. Il m'a l'air bien petit. Attendez, un petit. Regardez bien. Oui, ils sont petits. Et je sais pas si ça va me rentrer dans l'oreille. Enfin, moi, on dirait qu'ils sont très gros. C'est ce que je voulais dire, désolé. Bon, on va enlever le petit plastique. Et désolé pour le bruit d'avant. Le bruit enfant, c'est ma mère qui parle. Je suis vraiment désolé. Il est au téléphone. Bon. J'ai enlevé le petit plastique qui bloquait pour
de chargement. Ah, hop, 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 ah, ça colle. Maintenant, le R. Mais bon, je vous ferai des petits updates pour voir si mon produit, celui-là, il va durer longtemps. Car bon, déjà que malheureusement, le casque gaming que vous voyez là, malheureusement, il vient de rendre l'âme. Je vais devoir malheureusement le remplacer, car c'est comme ça. Tout ne dure pas éternellement, les amis. Par exemple, l'amitié ne dure pas éternellement. Être au même travail ne dure pas éternellement. La peine n'est qu'une courte période. Et voilà, c'est comme ça, hein. C'est la vie. Bon, on va essayer de le mettre dans l'oreille. C'est pour voir s'il tient bien. Moi, ça me fait un truc, on dirait que j'ai. Moi, c'est pas vraiment discret comme les AirPods. Là, c'est plus. C'est un peu comme les Galaxy Buds, on va dire. Ouais, ça fait plus Galaxy Buds. Mais les Galaxy Buds sont sous-cotés. Tandis que les AirPods, on en parle beaucoup pour. Pas grand, enfin, on en parle beaucoup. Et. Oh! Oui, avant j'avais des AirPods, mais malheureusement je ne les ai plus. Car bon, c'est comme ça, tout ne dure pas éternellement, comme j'ai dit. Bon, maintenant on va utiliser le L. Ouais. Ça me rentre bien. Et. Bon, je vais pas t'en tester. Maintenant pour écouter de la musique, mais je vais tester après. Mais je vous redirai si le produit. Attendez. Moi, ce que j'aime bien, c'est que la boîte est transparente. Donc, on peut voir nos AirPods. Comme là, vous voyez, ils sont en train de charger en lumière rouge. Et voilà. Ah, c'est juste le boîtier. Je trouve que. Ah, il est un peu casse-tête à ouvrir. Tandis qu'avec des AirPods, tu pouvais les ouvrir comme si c'était un petit briquet, vous voyez, comme ça. Comme si c'était le. Vous voyez les briquets de motard. Et voilà. Bon, je vais tester après, mais je pense que on arrive à la fin de la vidéo. Bon, c'était une petite vidéo courte et spéciale. Et voilà, j'avais pas grand-chose d'intéressant à dire, à part qu'on va peut-être reprendre les vidéos gaming. Et voilà quoi. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. On se retrouve pour de futures vidéos. Ciao, bye, peace.